Bonjour, nous voilà partis pour une balade avec l'objectif d'atteindre l'océan. Le départ est pas trop loin de la ville de Maubuisson, en Gironde. L'objectif c'est aussi de profiter d'un petit pique-nique cuisiné avec un réchaud à alcool. On profite de la douceur de cet hiver. On part assez tard, donc on va pas tarder à s'arrêter pour déjeuner. On cherche un endroit un peu surélevé. Autour de nous, c'est essentiellement des forêts de pins. On a quelques feuillus, mais c'est assez rare. Donc le menu du jour, c'est des pâtes et du lumeau qu'on va faire cuire à la poêle avec un réchaud alcool Trangia. Je me sers de paravent, c'est un réchaud à bois. Assez pratique. Voilà. Donc là, je fais pas de feu de bois puisque dans la forêt de pins, c'est interdit. Et je me sers juste du premier étage comme support et paravent. Donc pour les pâtes, c'est un pot IKEA. J'utilise le support du réchaud, je pose comme ça et là ça devrait cuire. Donc on commence par faire que les pâtes puisque c'est un peu plus long et on fera le reste après. Alors je profite qu'on est dans la forêt pour essayer de ramasser un peu de bois gras. Donc là on peut voir que ce bout est gorgé de sève. Ce sera vachement intéressant pour démarrer des feux. Je vais essayer d'en récolter un petit peu encore. On voit que le réchaud fonctionne bien là.
L'homo est parfumé, ça sent super bon. Dans les pâtes, on a mis un bouillon cube pour à la fois saler et donner un peu plus de goût. J'ai rajouté du jus dans la poêle pour éviter que la viande accroche. Donc avec juste une recharge du réchaud à alcool, on a pu faire à la fois cuire des pâtes et la viande. Donc on voit qu'il n'y a plus rien dedans. Un peu besoin d'éteindre, j'avais un peu de réserve au cas où. La pause repas est finie, donc on reprend le chemin vers l'océan. Le micro il doit pas être assez fin pour l'entendre, mais nous on entend d'ici le reflux des vagues. On voit bien ici la dune de sable qui sont à la limite de l'océan. On a encore un peu à marcher, mais on entend de plus en plus le bruit des vagues. On traverse une piste cyclable. C'est des pistes cyclables assez connues en Gironde. Très étroite. On arrive à la fin de la forêt. On avance dans le sable. C'est la dernière dune juste avant l'océan. Voilà, on est au sommet de la dune qui fait tout le long. C'est un paysage vraiment sympa. Toute la forêt environnante, paisible, personne. Voilà, on a atteint l'objectif de cette balade assez courte, voir l'océan.
sur une plage déserte et on est à marée haute. Ouais, j'espère que ce partage vous aura plu et je vous laisse sur ces images. À bientôt.